Comme tous les ans depuis qu'elle a pris ses quartiers à l'Élysée pour y suivre son mari, Emmanuel Macron, Brigitte Macron profite de quelques jours de vacances au fort de Brégançon. Le couple présidentiel a posé ses valises dans la villa historique des présidents de la Ve République le 29 juillet 2022 et n'a pas encore révélé sa date de retour à Paris. Après une nouvelle année très mouvementée avec l'élection de son mari pour un second mandat notamment, la première dame avait besoin de se ressourcer en famille. Si est-il pourquoi elle a pris la décision d'inviter, au fort de Brégançon, sa petite famille. Ainsi, elle peut profiter de ses enfants et de ses petits-enfants. Le 6 août 2022 était un jour important pour l'un d'eux. En effet, c'était l'anniversaire d'Aurel, le fils de Tiphaine Ozière, l'une des trois enfants de Brigitte Macron. Le jeune garçon fêtait ses 7 ans. Pour l'occasion, Tiphaine Ozière a partagé un tendre cliché de son fils sur son compte Instagram avec pour légende, 7 ans de toi, de nous. Quel rayon de soleil. Bon anniversaire mon empereur. Sur le cliché, le petit-fils de Brigitte Macron est de côté et se trouve sur un bateau, au large du fort de Brégançon. À en croire ses cheveux sur la photo, le petit garçon venait sans doute de sauter dans l'eau pour se rafraîchir. Brigitte Macron se fait plaisir pendant ses vacances de son côté, l'épouse d'Emmanuel Macron est bien décidée à profiter de ses quelques jours de vacances pour relâcher la pression et prendre du temps pour elle. Ainsi, selon les informations de nos confrères de Voici, elle s'est offert un water toy. Il s'agit d'un scooter électrique sous-marin qui va lui permettre d'admirer les fonds marins alentours.